Bonjour Corinne Lepage. Bonjour. Candidate à l'élection présidentielle de 2012. Alors merci de vous prêter à ce jeu des questions et bien évidemment des réponses avec Célia Penaver qui Bonjour. Représente les Échos Bonjour. Et qui va d'emblée vous poser la première question. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. En fait, on a interrogé 1000 chefs d'entreprise en leur demandant oui. quelles questions vous poseriez aux candidats. Et sans surprise, la première question, c'est comment diminuer les charges qui pèsent sur les entreprises ? Il n'y a pas de mystère. À partir du moment où on souhaite maintenir un bon niveau, voire un haut niveau en termes sociaux, et je fais partie de ceux qui le souhaitent, il faut faire ripper les charges des entreprises sur la fiscalité. Il n'y a pas 150 solutions possibles. Donc moi, je suis pour une solution qui permettrait de mixer la CSG et l'IRPP, donc de passer un système de retenue à la source et de pouvoir ainsi fiscaliser une grande partie des charges sociales. La deuxième question ? Oui, alors, il y a en France les grandes entreprises et les petites entreprises qui ça ne m'a pas échappé. Absolument. Et qui ne sont pas traitées de la même matière, pas de la du même tout. Manière, pardon. Et donc, la question, c'est est-ce que vous avez l'intention de rétablir un certain équilibre entre ces deux types de structures ? C'est au cœur de mon projet. Pas seulement parce que c'est une question de justice. Et qu'il est absolument inadmissible qu'on soit dans un système dans lequel les multinationales d'origine française ne payent pas l'impôt sur les sociétés, ou quasiment pas, puisque je vous rappelle le rapport de la Cour des comptes de l'année dernière, je viens d'écrire un bouquin là-dessus, donc j'ai les chiffres assez présents à l'esprit, 17 entreprises par an ne payent pas l'impôt sur les sociétés, et ça tourne, sur 36, puisqu'il y en a 40 en tout, CAC 40, dont 4 publics. Mais par-dessus le marché, au contraire, les PME, elles, le payent plein pot. Donc moi, je suis pour revoir complètement le système de l'impôt sur les sociétés. Et notamment, ce que je vais proposer, qui est relativement original, c'est ce qu'on appelle une éco-modularité. C'est-à-dire de faire en sorte que l'impôt sur les sociétés soit modulé en fonction de l'emploi et de l'impact environnemental. Précisément pour encourager les PME qui généralement emploient beaucoup de gens par rapport aux multinationales qui ont tendance au contraire à faire des plans sociaux de manière assez facile. Donc c'est un des aspects. Il y a évidemment la question de la possibilité d'avoir du crédit. C'est la question majeure. Dans une de mes vies, j'ai dirigé une PME puisque j'ai dirigé un cabinet d'avocats de 100 personnes, donc je sais ce qu'est une PME. Je sais ce que sont des fins de mois, je sais ce que sont des charges. Et je sais ce que c'est que de négocier avec un banquier. Et donc, il faut absolument que nous revoyions complètement les mécanismes d'accès au crédit de manière à ce qu'effectivement, les PME et notamment les plus petites d'entre elles puissent avoir un accès au crédit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Peut-être aussi travailler sur la question des provisions. Une des grandes différences entre le système français et allemand, c'est qu'en Allemagne, lorsque vous avez des biens qui sont immobilisés et que la provision est passée, vous pouvez les garder en immobilisation et ça vous fait en quelque sorte du capital. En France, ce n'est pas possible. Là, on aurait peut-être un moyen de renforcer les biens propres que l'entreprise est en capacité d'offrir en quelque sorte à son banquier. Il y a toute une série de solutions à la condition qu'on le veuille. C'est une question de volonté politique. Alors, on parlait d'emploi, justement. L'une des préoccupations aussi de nos chefs d'entreprise, c'est l'embauche. Est-ce que vous envisagez de simplifier les procédures d'embauche et par ricochet les procédures de licenciement aussi peut-être ? Alors je dirais qu'il y a déjà des pas qui ont été faits dans cette direction avec les licenciements négociés aujourd'hui, les départs négociés. Moi je crois qu'il faut beaucoup travailler sur la question du chômage partiel. Je pense que c'est une voie qui est tout à fait intéressante à la condition qu'on arrive à faire un système juste, c'est-à-dire qu'en cas de retour à bonne fortune de l'entreprise, et c'est ce que réclament un certain nombre de syndicats, il y ait en quelque sorte une récupération pour les salariés qui, pendant la période où ils auraient été en chômage partiel, n'auraient pas perçu la totalité de leur rémunération. Mais je crois que c'est une voie qui est intéressante parce qu'il faut donner effectivement de la souplesse aux entreprises. Quel serait, selon vous, le sésame pour éviter les deux délocalisations ? Déjà, retrouver une véritable politique industrielle en France et une vraie stratégie industrielle, on n'en a pas. Alors, ce n'est pas très difficile. Je dirais que les marges de progrès sont absolument immenses. Deuxièmement, pour avoir cette expérience qui est la mienne, on peut faire tout ce qu'on veut sur les charges. Si vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de travail. Autrement dit, ce qui est intéressant, c'est de retrouver des voies pour faire du développement économique dans notre pays. Et dans mon projet, j'insiste beaucoup sur cet aspect des choses, qui est d'abord du produire local
Et ce qu'on voit ici en est une preuve flagrante. Peut-être qu'on aura le temps de reparler un peu de l'entrepreneuriat social et solidaire. Produire local et retrouver des filières d'excellence. Nous sommes aujourd'hui dans une véritable révolution. En ce que nous ne sommes pas en crise, nous sommes dans un changement de monde. Ce changement de monde, c'est la troisième révolution industrielle. Celle qui va lier les nouvelles technologies de l'information et le changement de modèle énergétique. Et autour de cela, nous changeons complètement d'organisation économique aussi. Et la décentralisation énergétique qui pousse les petites entreprises à prendre de plus en plus de poids change complètement le paysage qui va être le nôtre dans les années qui viennent. Donc il faut aider à cette transformation, à cette adaptation, et ça passe évidemment par les PME. Dernier point, comme Sésame, je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne peut pas accepter, je suis député européen, au niveau européen, un dumping social et environnemental sans réagir, et par conséquent, je suis favorable à des taxes à l'entrée en Europe. Enfin, dernière question qui n'est pas sans lien, comment protéger davantage nos PME et les rendre plus compétitives ? Je crois qu'il est absolument essentiel de permettre à tous ceux qui ont des projets et des idées de pouvoir les mener à bien. Il ne s'agit pas de protéger les PME, il s'agit de leur permettre de se développer. Moi, je rêve de Free à la puissance 10 en France. Je veux dire par là que nous avons quantité de gens qui arrivent avec des projets, avec des idées. Ils n'arrivent pas à les mettre en place. Et lorsque vous avez une PME qui tient à peu près la route, eh bien, elle n'arrive pas à devenir une moyenne entreprise, voire une très grande entreprise. Regardez ce qui vient de se passer à deux reprises avec des entreprises moyennes qui ont été rachetées par des multinationales en France, dans le domaine de l'énergie, que ce soit la compagnie du vent, que ce soit Énergia, les deux sont passés à la trappe. Donc là, on a un vrai modèle à construire de progression du développement économique de nos entreprises. L'un des points faibles de la France, ce sont les exportations, c'est traditionnel. Qu'est-ce que vous proposez pour davantage les favoriser ? On a l'impression que les Français travaillent, bon, en dehors bien évidemment des échanges avec l'Allemagne, dans un milieu extrêmement restreint et plutôt sur la consommation intérieure. Quelle solution proposez-vous ? Il n'y a pas de solution miracle, évidemment. Mais là aussi, la politique qui a été suivie, à mon avis, est totalement scandaleuse. Parce qu'on n'a pas favorisé les exportations. On a favorisé l'internationalisation des grands groupes. Et la Cour des comptes explique très bien comment cela s'est fait. Par voie de conséquence, il faut revenir à l'encouragement à l'exportation. Comment peut-on tolérer, par exemple, que nos grands groupes puissent faire passer comme emploi français l'emploi de leurs filiales à l'étranger et bénéficier ainsi des aides de la COFAS, du Bifrance et du reste. Donc voilà, ce que l'on met sur l'export, je souhaite que ce soit mis sur les PME pour les aider effectivement à conquérir des marchés, pour qu'elles puissent bénéficier, voire en temps partagé au départ, de personnel spécialement formé à l'exportation, qui parle les langues étrangères et qui sont capables de développer des marchés. Souvent, vous savez, c'est une personne, elle s'en va, il n'y a plus d'export dans une entreprise. Vous passez à des questions un tout petit peu plus politiques quand même. Quel bilan faites-vous du quinquennat Nicolas Sarkozy, marqué notamment par le Grenelle de l'environnement ? Oh, il est extrêmement modeste. On est parti sur des ambitions très grandes et on ne pouvait que les soutenir. Enfin, moi, je faisais partie de ceux qui les soutenaient, évidemment. Dans la procédure, c'est-à-dire dans la capacité de mettre ensemble des acteurs qui jusque-là ne se connaissaient pas et s'ignoraient, ou se connaissaient mais s'ignoraient, et d'autre part, dans la capacité de proposer des solutions nouvelles. Malheureusement, c'est un échec. C'est un échec très largement, dans la mesure où, d'une part, tout ce qui était progression dans les énergies renouvelables n'y est pas. Le syndicat des énergies renouvelables vient de sortir un livre blanc. Si on continue comme ça, il nous manquera 35% par rapport aux engagements du Grenelle en part d'énergie renouvelable en 2020. La fiscalité n'est un échec total. La Cour des comptes a rendu ces jours-ci un rapport sur ce sujet. Quand vous pensez, par exemple, qu'aujourd'hui, où nous cherchons tous de l'argent, il y a 19 milliards, un peu plus même, relevés par la Cour des comptes comme étant des marges de manœuvre qui sont de la fiscalité à rebours. Je veux dire par là que c'est de l'encouragement à la pollution. C'est notamment toutes les déductions fiscales pour le fuel et le diesel. Il y en a pour 19 milliards d'euros. Donc,
rien n'a été fait, la Cour des comptes le montre très clairement, dans le domaine de la fiscalité environnementale. Et donc finalement, ce qui a été fait a coûté plutôt plus cher que ça n'a rapporté, alors que ça aurait dû rapporter. Et les mesures concrètes manquent à l'appel. Donc les entreprises, pour en revenir à cela, qui auraient pu porter tous ces nouveaux modèles, ne se sont pas développées, voire ont mis la clé sous la porte. Je rappelle que 10 000 emplois dans la filière photovoltaïque ont été supprimés au cours de l'année dernière. Alors justement, dans votre programme, il y a une partie fiscalité verte, si je ne m'abuse, que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, il y a une grosse partie fiscalité verte, notamment dans cette écomodularité. C'est-à-dire que nous essayons de voir dans tous les impôts de quelle manière on peut avoir un système qui favorise à la fois la création d'emplois au lieu de le pénaliser et qui favorise ceux qui ont une empreinte écologique légère. Alors, tout le monde pense au carbone, mais il n'y a pas que le carbone. Et donc, je serai amenée à faire un certain nombre de propositions. Par exemple, la TVA sur les pesticides à 5,5, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on ait une TVA à 5,5 sur les pesticides aujourd'hui. Voilà. Donc, je pense qu'il y a de l'argent à récupérer qui doit servir précisément à développer de nouvelles activités économiques, y compris dans des secteurs qui peuvent être lésés. Je prends la chimie avec les pesticides. Mais cette somme-là, elle pourrait parfaitement s'investir pour développer de la chimie verte, c'est-à-dire de la chimie à base végétale. Donc il ne s'agit pas de pénaliser des gens pour le plaisir, il s'agit de changer les modes de comportement de manière à produire autrement et à ce que la collectivité, dans son ensemble, y trouve un avantage. Justement, juste pour terminer sur l'environnement, tu me permets, j'ai l'impression que ce n'est pas un thème majeur de cette campagne, finalement. Enfin, là, on est en période d'incertitude, etc. Donc, ce n'est pas forcément le thème qu'on met le plus en avant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous le ressentez ? Oui, bien sûr, parce que je dirais que les partis traditionnels, droite-gauche confondus et centre, bien sûr, ont une vision de ce qui nous arrive comme étant une vision de crise. Donc, il y a une crise, on s'attaque à la crise. Ce n'est pas ma vision. Ma vision, à moi, c'est un changement de monde. Et donc, ce que je propose, c'est une adaptation dans le temps à ce nouveau monde. Et dans cette adaptation-là, l'économie verte joue un rôle majeur. Je le disais tout à l'heure, troisième révolution industrielle, celle qui lie la révolution énergétique avec les nouvelles technologies de l'information, ce qui entraîne une transition économique vers des grands groupes centralisés, de grands groupes centralisés vers des PME et une économie décentralisée. Donc on change complètement le modèle. Ce que nous avons à faire, c'est à aider progressivement à aller dans ce modèle de manière à recréer de l'activité économique dans notre pays et en Europe. Corinne Lepage, une dernière question. Vous en êtes où de vos parrainages ? Écoutez, ça avance. J'ai bon espoir d'y arriver. Très bon espoir d'y arriver. Bien, merci Corinne Lepage. Merci Célia Pénavert de... Vous êtes livré au jeu des questions Merci et des réponses. Merci pour les questions.